un mec trop beau sur Instagram. Il a liké une de mes photos. Du coup, ben, je me suis dit que peut-être que j'allais lui envoyer un message en privé. Je peux voir son profil. Ok, alors attends. Là, regarde. Non, mais attends, meuf. T'as vu le nombre d'abonnés? T'es youtubeur? Mais tu crois vraiment qu'il va, il va calculer? T'en rends pas compte toutes les filles qui doivent le couvrir après, hein? Non, mais il est trop beau. De toute façon, je regarde pas son nombre d'abonnés, sa popularité ou je ne sais quoi d'autre. Je suis pas une fan comme les autres à le harceler H24 de messages tous les jours. Du coup, bah, peut-être que j'ai une chance, hein. Et de toute façon, c'est lui qui est venu vers moi en premier, hein. C'est pas moi. Oui, allô? Yo, Léa, ça va? Ouais, ben, ouais, ça va, écoute, hein. Mes vacances, ben, j'ai rien fait à part rester sur mon téléphone la plupart du temps. Merde. On pensait beaucoup t'as réuni avec les collègues, là, au parc, ça. Ouais, pourquoi pas? Ben, attends, il y a Julien en face de moi, je vais lui demander. Loïc, il propose qu'on aille au parc cet après-midi avec toute la bande. Ouais. Chaud? Ouais, ouais. Ok. Ok, donc bah, du coup, ok, ça marche, on vous rejoint dans une demi-heure à peu près. Enfin, et Julie, elle viendra avant et moi, je viendrai un peu plus tard. Ok. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Ciao. Bisous. Hello. Mais elle est pas là, non? Non, vous inquiétez avec vous. Regardez, regardez, regardez sa chemise. Festival de Cannes, quoi. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu vas y en chemin? Très drôle. Bonjour. Bon, on irait pas se caler à côté de l'eau? Ouais, si tu veux. Allez. Allez. Bon les gars, c'est passé bonne vacances? Ouais, super, super. Moi, j'ai des profités, j'ai des profités de l'horizon. Bon, rien d'intéressant à part ça. Yes, moi je me remets ici. Camille, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Hein? Ouais. Est-ce que tu pourrais me prendre en photo, s'il te plaît? Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas posté sur Instagram et mes abonnés, ils vont juste abonner. Ouais, t'es sérieuse? Genre, on parle de ce qu'on a fait pendant les vacances, toi tu vas faire une photo? Ça va, on en profite, que je sois là, que je sois bien habillée, j'ai fait exprès. Ah, ok. Super, merci. Tiens, c'est bon. Non mais c'est dégueu, tu sais pas prendre des photos, ça se passe comment Mais t'es sérieuse ou quoi? T'es super bien dessus. Oh Alex, tu peux me prendre en photo s'il te plaît? Camille, elle sait pas prendre en photo. Tiens. Tu veux une photo pour moi? Comme ça, juste comme ça. Après je vais plus en position. C'est pas très naturel tes photos par contre, hein. Je te le dis de suite. Ouais, ça passe, merci. Non mais t'es sérieuse là? À chaque fois tu nous fais le coup, genre tes photos elles vont jamais. Franchement, t'as vu, faudrait rien demander. Hein. Ah. Non, c'est bon, j'ai bien. Non, je m'en suis inscrit. Ça va Léa, t'es bien là? Ouais, ouais. Ouais. Ah, je suis contente, t'as pas vu tout ton téléphone depuis qu'on est arrivé. J'espère qu'elle va continuer. Ouais. T'es saoulante avec ton retouche de photo. Surtout que tu vas avoir quoi? 15 vues par photo? Oui, 15 vues, pardon. Non, non. Non, mais Léa, tu vas pas décrocher quand même. Déjà que t'es pas avec nous. Oh, c'est peut-être une marque, attends. Oui, allô? Sérieuse, là? Oui. Bon, moi, je vais y aller, hein. Ouais, bah tu sais quoi? Ouais, moi je te suis aussi, j'en ai marre. Parce que là, c'est bon, tu connais, tu es en train d'être avec son mari. D'accord, ça va, on fait pas. Allez, au revoir. Mais ils sont partis où? Ils sont sérieux? Allô Léa! Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va! Tu devineras jamais ce qui vient de se passer. Je suis allée sur mon Snapchat et j'ai vu que j'ai 2500 vues sur ma dernière story. C'est un truc hallucinant. Je t'ai envoyé un screen, va voir et dis-moi ce que t'en penses.
Attends, je viens de recevoir là, je regarde. Alors? Mais sérieux, franchement. C'est bon quoi, tu nous saoules avec tes réseaux sociaux, enfin voilà, on a tous ras-le-bol. Que ce soit Camille, Julie, Loïc, franchement, là stop quoi, il y en a vraiment ras-le-bol. D'ailleurs, Loïc, t'as été voir chez une Pikachu, non? Yes, il est vachement cool en vrai, c'est un peu un truc pour enfants, mais. Mais ça parle de Sacha, les dresseurs et tout, pas du tout? Non, du tout, c'est un film en autonome dans le monde des Pokémon, mais. Non, d'accord, trop bien. Ouais. Attendez, les gars, vous avez des nouvelles de Léa? Non, c'est bizarre d'ailleurs, ça fait plus d'une semaine qu'on l'a pas vu ni en cours ni à la fac. Elle aurait pas fait une connerie? Parce qu'elle a pas l'air envie d'aller bien depuis un bout de temps. Mais je pense que je vais aller la voir et lui dire ses quatre vérités. Parce que là, ça commence à. Non, tranquille, autant elle va bien, et vu qu'on l'a pas vu qu'un bout de temps, autant elle révise. Hein. Mais non, si elle réviserait, elle serait à la fac comme on le fait d'habitude. Elle serait à la BU, on le fait tout le temps. C'est quand même trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux rentrer, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Bon, écoute. Faut que je te dise quelque chose parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et tout le monde essaie de te le dire mais personne n'y arrive. Ton comportement en fait ça devient complètement problématique là. Que ce soit pour toi ou pour nous. T'es pseudo-influenceuse là, ta notoriété de je sais pas quoi. Tu te rends pas compte Léa à quel point les réseaux sociaux ils ont un impact négatif sur toi? T'as même pas remarqué qu'on était partis l'autre fois au parc. Tu t'es retrouvée toute seule comme une merde. T'as peut-être raison, mais après, c'est parce que comme ça fait plein d'amis, j'ai plein d'amis qui me suivent, mais amis qui de quoi? Amis de quoi? Tu penses vraiment que c'est tes vrais amis, ça? Ben ouais. En quel honneur? Ben parce qu'ils me suivent, ils m'adorent, ils likent. Mais en fait, je t'explique, ils ne connaissent absolument rien de toi. Nous, tu vois, on veut communiquer, on t'aime pour ce que t'es, on te connaît dans la vraie vie. Eux, ils voient juste une image, une façade. Du coup, je te lance un défi. Est-ce que t'es prête à l'accepter? À voir. Pendant une journée entière, je dis bien entière, tu ne dois pas toucher ton téléphone une seule fois. T'es capable ou pas? Bah après, une journée entière... Du coup, je te laisse réfléchir. Puis moi, je vais y aller, on se voit une prochaine fois. Ça marche. Allez. Ciao. Ciao.